Dans nos marchés, tout comme des magasins, le long des grandes voies, des produits alimentaires sont sortis des magasins et exposés à leur devanture. Ces produits alimentaires, dans les sacs ou cartons, sont exposés à même le sol et au soleil. Et c'est autant de fois et de jours tant que les produits n'est pas vendu. Ces produits qui sont vitaux pour l'homme, tels qu'exposés à la merci du soleil, ne perdraient-ils pas leur qualité nutritive afin de nous assurer que les aliments sont encore utiles ou pas pour la consommation? Le médecin généraliste explique les risques susceptibles d'être encourus. Tout produit qui est exposé au soleil, ça dégrade, ça perd beaucoup d'énergie, des vitamines dedans. Et souvent, même, ça a des répercussions sur la santé. Et puis, l'environnement. Parce qu'on ne peut pas mettre des produits alimentaires là où il y a des produits chimiques. Il est donc conseillé aux commerçants de ne pas exposer les aliments à certains degrés au soleil. Il est préférable que les produits alimentaires soient gardés dans les magasins à l'ombre pour une meilleure conservation.